19 personnes sur 20 vont dire « Ah, je pensais que l'orgue, c'était que les tuyaux qu'on voit, quand finalement, tu sais, c'est qu'une partie de tout ce qui existe. » Mais ça, c'est parce que personne n'a jamais eu la chance de mettre le nez dedans. Tous les instruments, sauf les instruments à cordes, c'est des facteurs, donc des fabricants, des facteurs de flûte, des facteurs de clavecin, des facteurs d'orgue. Quand on parle d'un orgue, on dit toujours son nombre de claviers et son nombre de jeux. Ça sous-entend nécessairement qu'il y a le pédalier qui est toujours là, sauf pour des très petits instruments. La différence, finalement, entre un orgue mécanique et un orgue électropneumatique, c'est surtout le lien entre les touches et les tuyaux. Les orgues mécaniques, c'est un lien mécanique, ça le dit dans le mot, c'est-à-dire que je vais jouer et puis je vais ouvrir mécaniquement, donc à l'aide d'un lien, le morceau de bois qui va faire une soupape, va s'ouvrir pour laisser passer l'air pour faire parler les tuyaux. L'orgue électropneumatique, c'est un lien électrique, donc c'est juste un interrupteur on-off qui fait parler le tuyau ou non, et que c'est un fil électrique qui va communiquer avec les tuyaux. Donc, l'organiste ne sent pas l'air sous ses doigts. Ça va être qu'un contact électrique, contrairement à l'orgue mécanique qui, lui, il va vraiment sentir l'air. Mais évidemment, comme je l'ai expliqué, ça oblige d'avoir certaines contraintes, dont un nombre de jeux plus limité, puis des claviers plus proches, normalement, du buffet. C'est une pièce que j'aime beaucoup, qui se prête à différentes circonstances. On peut la jouer de façon méditative avec une registration simple ou lui donner un petit peu plus d'emphase. Mais cette pièce-là m'a toujours frappé et je la joue depuis 1966. C'est une des pièces assez fondamentales du répertoire religieux luthérien. Le texte est une paraphrase du Notre Père qui a été écrite par Martin Luther lui-même. J'essaie de trouver une sonorité différente et c'est de la fascination de l'instrument. Quand on est organiste, ben, jusqu'à un certain point, on est un peu chef d'orchestre en même temps. Alors, la façon dont on commence à construire un orgue, en fait, on commence par discuter, de savoir qu'est-ce qu'on recherche comme type d'instrument. On essaie d'élaborer des concepts sonores, des concepts tonales. Ensuite de ça,
On travaille sur la conception visuelle de l'instrument, comment l'instrument va, de quoi il va avoir l'air dans l'endroit où on va l'installer. À partir du moment où on a fait une conception, disons, qui est théorique, mais qui est aussi intellectuelle, qui est dans la tête, qui est conceptualisée, qui a été verbalisée, qui a été mise en image, on commence à partir d'alliages de métal. Donc, tout se passe à la fonderie chez Casavant. On commence par couler et planer des feuilles de métal de différents alliages d'étain et de plomb, soit à 50 % d'étain ou à 70 % d'étain, tout dépendant comment on veut que la pâte sonore se construise. À partir du moment où on a plané ces feuilles de métal-là, qu'elles ont vieilli pendant quelques mois, on commence à dessiner les patrons sur ces feuilles-là, qui vont donner des formes de tuyaux, comme on peut voir ici. Donc tout ça est dessiné sur des patrons. Et ensuite de ça, les tuyautiers commencent à façonner et à tourner le métal pour leur donner la forme et faire les soudures nécessaires et assembler les différentes parties du tuyau et qui ont aussi différentes longueurs. Donc ici, vous pouvez voir des tuyaux de métal qui ont environ 16 pieds de haut et jusqu'à des très petits tuyaux qui ont la grosseur d'un crayon de bic. Ensuite de ça, tout est démonté complètement, numéroté et bien emballé pour le grand transport de l'instrument vers son point de destination et là où il sera remonté. Donc toute sa structure sera remise en place, chaque tuyau sera déposé à la main, un par un, sur ses sommiers. Tout le travail de finition ensuite va se faire pendant plusieurs semaines par les harmonistes qui vont s'assurer que chaque tuyau parle bien dans son nouvel endroit, dans son acoustique. L'instrument est intimement relié à l'Église, tout à fait. Mais de par la nature même de cet instrument pharaonique et d'une dimension gigantesque, on a souvent voulu le sortir de l'Église et le mettre dans des grandes salles de concert. Et ça donne des résultats exceptionnels. On pense entre autres au nouvel instrument de la Maison symphonique de Montréal, un instrument tout neuf du facteur Casavant encore. Et là, cette fois-ci, il a une dimension beaucoup plus... profane. Symphonique devant le grand orgue Casavant, mais aussi le grand orgue qu'on appelle Pierre Béic. Alors, c'est un instrument qui est conçu pour une salle de concert. Donc, c'est un grand instrument de 83 joules, tout près de 6500 tuyaux. C'est un orgue qui est extrêmement coloré, qui nous permet de faire vraiment un répertoire très, très varié. Dans sa conception sonore, c'est un orgue qu'on dit de type symphonique, tandis que les orgues à l'église sont beaucoup plus pensés dans un concept d'accompagnement, donc de chant religieux. Ça fait des millénaires que l'orgue existe. Il va avoir été joué dans toutes sortes d'endroits. Principalement, nous, notre génération, celle de nos parents, il y a quelques siècles, c'est surtout à l'église, mais ça n'a pas toujours été comme ça, puis ça ne sera pas toujours comme ça. Puis dans les salles de concert, moi, je veux dire, de la musique, pour moi, ça sert à transmettre une émotion. Si on transmet une émotion à l'église, puis que ça nous permet d'accéder à un niveau de spiritualité plus grand, tant mieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut aller dans toutes sortes d'autres littératures, ça peut aller servir à beaucoup d'autres choses. Comme j'ai dit, je pense qu'on est un peu biaisé par notre époque. De dire, ah, l'orgue, c'est à l'église, mais dans les faits, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Je pense que ça serait bien de le démocratiser. J'ai toujours dit, je trouve que les orgues ne sont pas assez montrés, ne sont pas assez expliqués, ne sont pas assez accessibles. Donc, je pense que non seulement c'est bien que ce soit ailleurs que dans les églises, mais que c'est essentiel si on veut que l'instrument puisse continuer à jouer, puis à être joué, puis à être fabriqué, puis à survivre, puis à continuer.